Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Rafa et aujourd'hui on se retrouve donc sur les naufragés pour l'épisode 5. Et aujourd'hui, nous allons tout de suite d'ailleurs aller au village voisin et plus vite que ça. Parce que c'est juste là, hein. Il me semble, c'est pas là-bas, hein, non? Il me semble que c'était juste là. Et on va essayer d'y arriver avant l'armée noire. Ok. D'accord. Comme ça, c'est fait. D'accord, ils ont carrément dévié le cours de la rivière. Hein. Ah non, c'était pas une rivière. Non, c'était un petit cours d'eau. Tout mignon, il a rien demandé, le pauvre. Et voilà. Merci. Oui. Donc, what? Wow. Hey, ça veut dire qu'on peut prendre des TNT, en gros. Je crois que ça peut nous servir en fait. Mais par contre, le problème, c'est qu'on voit rien. Je comprends mieux maintenant. On va peut-être pas tout prendre, mais ils sont quand même pas embêtés, hein. Oui, ils ont mis de la TNT partout. On va faire sauter leur base. Oui, c'est ça le pire, on pourrait faire sauter leur base. Mais c'est génial ça, les amis. Je suis content, moi. Par contre, ça me dit rien qu'ils vaillent. Je sais pas déjà s'ils vont être contents qu'on leur a piqué toute leur TNT. Enfin, quand même, 53. Et qu'on vient d'en poser une dans le vide. On en reprend une, c'est peut-être pas celle-là qu'on a posée, mais c'est pas grave. Et comment on atteint cette cité totalement bizarre qui vole? Alors, on a eu tout, hein. Une cité sous terre, une cité sur terre, une cité dans les airs. C'est quoi la prochaine? Hein? On a même eu, si vous vous souvenez bien, un début de cité sous l'eau. Et ben voilà, les amis. Ah oui, quand même. On va y aller avec les TNT. Là, je rigole. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est en bas, qui prend un briquet et qui fait tout péter. On y est presque. Ok. Et ben voilà. Là, le mec pas loué qui tombe, merci quoi. Et donc, nous allons voir à quel point ça fait des... Enfin, on peut tout faire péter, on n'a pas encore de voilà. Oh mon Dieu! Porte blindée! Qu'allons-nous faire? Comment on rentre là-dedans? J'aimerais bien faire une TNT, mais c'est un truc d'important. Et en plus, on risque de sauter avec. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça m'énerve! Et puis, comment on redescend surtout? Si, comment on redescend, ça, c'est une question qui se pose. J'ai failli. Voilà, mais du coup, toc. Aïe. Creeper de mort. Oh non!
commence à abuser, le creeper! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh mon dieu. Ça doit être horrible. Ah, gros lag en plus. Big lag, les amis. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, ce creeper? C'était un partisan de l'ennemi. C'est l'armée noire qui l'a envoyé, j'en suis sûre. On va constater les dégâts sur la cité volante aussi. Hein. Je pense qu'il n'y en aura pas tellement, mais bon. Oh non, en plus, on a perdu toute notre TNT. C'est le motif d'espoir. Allez, dégage. Tu me donnes pas de viande, toi. Ah ouais. Ah ouais. Je me disais aussi. Donc, les amis, je vais faire une ellipse et on se retrouve quand on sera là-bas. Non, en fait, on s'en fout. On va rien prendre. Parce que comme ça, si on prend rien, on n'aura pas d'emmerde. A tout de suite. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Donc voilà. A tout de suite. Bon, bah voilà les amis, on se retrouve juste devant là. Il y a un truc qui est tombé là-bas au loin, on voit. On sait pas ce que c'est. D'ailleurs, ça compte. Oh mon. Oh là! Oh mon dieu! La richesse, les amis! Bah oui! Par contre, ça, c'était une explosion nucléaire de malade. Oh la richesse! Oh là là, je sens, les amis, que c'est. Oh là là là, trop bien! Ça, c'est moins bien, par contre. Si je me mets à poser les blocs. Oh oui! Oh, ça, c'est bien. En plus, il y a plein de trucs. On a gagné plein d'XP. Je sais pas tout ce qui est mort, mais. Oh mon dieu! Tout a été tué. Tout a été. Regardez-moi la base, les amis. Elle a été détruite en partie. C'est une bonne nouvelle. Une base ennemie. Là, ils doivent se dire, mais quel con! C'est même pas de ma faute, c'est de la faute de ce creeper. Que je remercie d'un autre côté. Enfin, il m'a tué, mais bon. Au moins, il a détruit la base ennemie. Bah, en partie, parce que voilà, quoi, mais. Oh, elle a pris cher, et pourtant, elle était haute, mais là, ça a rien fait, hein. Alors, faut que j'aille prendre les pierres, surtout, pierre et la terre. Voilà. Là, ça sent le zombie qui me poursuit. Allez, crève, enculé. Putain. Oh mon dieu! Ça fait tellement bizarre en plus! Faudrait qu'on réussisse à remonter là-haut. Ce qui va être compliqué. Oh! Il y a des blocs encore un peu partout. Il y a surtout un bloc de diamant, j'en ai vu un. Je sais pas où, mais je suis sûre d'en avoir vu un. Et non, les amis, je n'ai pas de vision. Je sais que j'en ai vu un, mais je sais pas où. C'est ça le problème. Voilà, il est là-bas. Toujours tout droit. Yeah. 18. Ah, on a qu'un seul bloc d'or, mais. Qu'importe. Qu'importe, les amis. Alors ça, c'est quand même un squelette, ça voudrait dire qu'il pourrait me toucher et bien m'emmerder.
Parce que là, s'il me touche, je suis un peu mort, quoi. Un peu, je suis mort. Mon Dieu! J'espère que la porte a été détruite. Qu'il y a une entrée possible. Ouf. Dieu. Dommage. Cas, ça a bien été détruit. Oh oui. Mince, c'est pas possible. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Plus de pain. Plus de pain. Alors là, les amis, il faudra qu'on se construise une maison. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire, mais là, on a de quoi. La base. La base destroy. Alors là, quand on dit destroy, là, ça peut pas mieux porter son nom. J'espère qu'il n'y a personne. Dieu, il est plein d'œil. Pas possible. Faut retrouver le bouton. Maintenant, pour pouvoir ouvrir cette porte, il nous faut le bouton. Et ce bouton-là, il faut le trouver. Terrible, oui, terrible. Pense en effet que c'est bien le mot. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 5. Oh. Oh mon Dieu. C'est la fin de l'épisode 5 des naufragés. Donc, nouveau gros explosion. Une explosion nucléaire aujourd'hui. Hein. La dernière fois, il y avait une Big Bang. Bah, là, c'est plus un Big Bang. La dernière fois, allez, petite explosion, voilà. C'était une grosse explosion. Bon, ouais, les amis, c'est la fin de l'épisode 5 des naufragés. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Et voici la cité mystère sous l'eau. Et à plus pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.